Jevaramalo Sevarimo Saromalo Gevoje Ramibu Zarumimole Infilimaro Seramimo Revo Gazurami Soromimole Baro Gurmi Filiam Idivaro maliki malo sagoram agane infilia mimunrai feshura mimu divini minurai filimorem gazo fero garo mimur besta animali kumin en sholui basura mimali da inan falikam Wadias man razo gurami mole infili malazo debora malo se valomi idilistani mali. Oh Seigneur, mazata udali falaza. Ifela mimon rain sale imin wa idalo sale imin udali filiami. Baramino dali falo serame gazaramo ejero sharami morevo baramimon rain filiam malikum fidanata wa an alokin malteravi bil olami wa inna aslami mali Gus merodei fili minudai Abrahami malo Savorami maliku mi balo se vale im Malikin faliam se vale im malutem Saint Esprit mette parole dans ma bouche Sois ma source d'inspiration Remplis mon âme, Seigneur, remplis mon esprit, Jésus, sanctifie mon cœur, Baroumé, Zalami Mali, sanctifie ma bouche, Bil Mali, fais de moi un instrument de grâce et de bénédiction pour ton peuple. Mon père Baramina Udelami Maliko Bariola Milam La Inna Umi Filiam Baramina Udela Osam Salikum Que les autels soient renversés, Jésus, que les barrières soient détruites devant nos vies, Seigneur, libère nos familles, souviens-toi de nos enfants et de la parole de Dieu. Que nous leur avons inculqué, Gourame, Sevarame Maliko, Bariolame, Saint-Esprit prend contrôle, Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix à ma place, Balimino Daliko Malitei, En faladias man salami, passez au Seigneur, apporte la délivrance au cas le plus désespéré. O felam barami, maliki forami, gorami daun sarami. Maana udamana daika, balamaza na udolosa mau ina u abromi dauna uleika udamasha. Ma udukumu jia na uburu mimur, mua na ukumu, wa ina boma uta ukumi de en auda, wa ana umurna da umurabia na ubukumu, mania na albaraza za ukumu da infuro, mi audias mancha uguru mi balukumu de avumu. Seigneur, reprime Satan dans nos vies. Satan, le Seigneur te reprime. Satan, que le Seigneur te reprime dans nos vies. Dans la vie de quiconque est connecté ce matin, en live ou en différé, Satan, le Seigneur, te réprime dans nos vies. Que tes œuvres soient réprimées. Démons, que le Seigneur vous réprimande au nom puissant de Jésus.
toutes vos œuvres dans la vie du peuple de mon Dieu, dans le monde entier, partout où ma voix se fait entendre. Satan est réprimé. Satan est réprimé. Satan est réprimé dans le nom précieux de Jésus. Zamana, je suis ivre de son esprit. Balami mole infaromi den saromonra anagorami filiamu manolo zavaro. Mes alami malo ki malem walaki asmani talo faragiem. Oh, l'abramita na senater wa inna abromital forazo. Rabuni filiuka wa inna moraida. Entamet wa inna belamet. Seigneur, ta gloire se révèle du haut des cieux. Une grande grâce repose sur ton peuple ce matin, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te loue et te bénit pour ta fidélité. Seigneur, à toi la louange et la gloire, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, dans le nom précieux et souverain de Jésus. Alors, nous avons eu un direct à 22h hier, et les anges de l'Éternel étaient dans vos maisons. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans ta vie, dans ta maison? Quelle est ton expérience avec l'ange de l'Éternel? Nous déportons la grâce de Dieu dans vos vies. Je vous dis la vérité. Nous déportons la grâce de Dieu dans vos vies. Zama inna ulorami dan saman sharat wa inna borami dauleika. Vraiment, si tout le monde pouvait entendre le parler en langue, j'allais prêcher en langue aujourd'hui. Gurami anna abromi talaferami bala ustalta wa anna mora isaulen bi asmani kalafeta wan ada. Samantha Udali Borazo. Mais comme tous ne sont pas pleins du Saint-Esprit, on ne peut pas parler le même langage. Alors, Logo Choco, dit Ledina, j'ai vomi jusqu'à papa, j'ai des vertiges qui m'ont jeté au sol. Papa, je confirme. Là, c'est un témoignage du programme de 22h hier. Donc vous aussi, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de Dieu, Marie, Anna, Adan, Seigneur, pardon. Baras, Marazen, Seigneur, je t'en supplie. Guma, Inabro, Lama, In, Zamo, Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, pardon. Tout le monde n'entend pas le parlant là. De in za zamota bariza. Saint-Esprit, je t'en prie. Il faut que je parle en français. Pardon, papa. Pardon. Mani ina garouza. Fela ida ou dalaza. Écoutez, frère, la gloire de Dieu est sur nous. Je vous dis la vérité. Toute la nuit ici, la présence de Dieu était avec moi. Toute la nuit, j'étais avec le prophète Esaïe. Toute cette nuit, je vous dis la vérité. Seigneur, binadeissa, c'est là où, pardon, laï, écoute, partagez les témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta maison cette nuit? Le maroman sao, le brasmen edao, sobroma, samata ou dalaza, barita wa inna moraista, gremitao laï, anra, lo bramila, sepata metao, lo in asmali foza, morai. Laïka maras man adros. Seigneur, Saint-Esprit, je t'en supplie, Seigneur. Pardon, je suis en direct. L'ami Anna. L'ange de Dieu était dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a Anne, Karine. Seigneur, ton ange dans la maison familiale au quartier gentil. À la cité Sik, à Douala. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'ange de Dieu est entré dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Partage la vidéo, invite les gens, partage dans les groupes, s'il te plaît, sois actif. Qu'est-ce qui s'est passé? La distance n'est pas une barrière. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Oh, Maliki, Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Dieu m'a exaucé. Maintenant, je peux parler librement français. Ça, c'est bien ça. Quand vous priez, Dieu vous exauce. Dieu est fidèle, il écoute. Alors, écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur est vivant, je vous assure. Le Seigneur Jésus est vivant. Et s'il vous plaît, il n'y a pas moyen ici. Qui est dehors? Appelez-moi. Je veux mon numéro là. Si maman mon coco est en train de me suivre, pardon, envoie-moi mon numéro. Demandez mon nouveau numéro, le numéro pour Orange Money là, qu'on essaye de voir comment on va faire. J'ai promis de donner ça aux gens. Écoutez, la main de Dieu est dans ma vie. L'Esprit de Dieu sur moi. Vraiment, j'ai prié, j'ai perdu quelque chose ce matin. J'ai perdu quelque chose parce que l'Esprit de Dieu a pris otage de ma vie, de mon corps, de ma parole, de ma bouche. Donc, vraiment, c'est parce que j'ai prié avec insistance que Dieu m'accorde la grâce de parler en français.
Vous savez, d'habitude, quand je prie personnellement, je prie en langue. Quand je suis seul, vraiment, je cause avec le Saint-Esprit, c'est en langue, c'est pas en français. Nous, on a dépassé le niveau de prier en français encore. On ne prie pas en français. Nous prions en langue. On parle avec le Seigneur dans le langage du ciel. Ouais, c'est ça la vérité. Alors, la main de Dieu est en train d'agir. Toute la nuit, comme je disais, j'étais avec le prophète Esaïe. J'ai parcouru tout le livre d'Esaïe, disons jusqu'au chapitre 28. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses, je vous assure. Le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Être dans la présence de Dieu, ça fait au moins deux ou trois nuits que je n'arrive pas à dormir parce que je suis à genoux. Le Saint-Esprit m'impose cela. Oui, le Saint-Esprit m'impose cela et je me soumets. Seigneur, je me soumettrai volontiers à ta volonté. Je me soumettrai volontiers à ton action et à ton œuvre. Et je prie que la même grâce soit donnée à tous ceux qui sont connectés, qui me suivent. Que la grâce d'être malléable entre tes mains leur soit donnée. La grâce de se laisser emporter par toi jusqu'où tu veux, jusque dans ton pays, comme l'apôtre Jean l'a dit. Il dit, « Igenomen en pneumatiente kuriake emera, et kusa opiso mufonen megalehos salpigos. » Et je fus transporté en esprit, transporté par le Saint-Esprit, comme un passager dans un avion, entre guillemets, je donne l'explication. Et je fus transporté dans le Saint-Esprit, ente emera kuriake, jusqu'au jour du Seigneur. Et il dit, quand je suis arrivé au jour du Seigneur, transporté par le Saint-Esprit, il dit, ekusa opisomu fonen megale. J'entendis derrière moi une voix puissante, hos salpigos, comme celle des trompettes. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu tant que l'Esprit ne vous a pas transporté. Tant que l'Esprit ne devient pas le moyen de transport de votre âme et de votre esprit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous emmène dans des transports d'allégresse. Ça veut dire que tu enjoy le voyage, tu enjoy le moment du voyage entre ta maison où le Saint-Esprit te ramasse et le royaume de Christ où le Saint-Esprit t'amène. Vous voyez, c'est extraordinaire. Dieu agit encore aujourd'hui de la sorte. Dieu peut encore te prendre aujourd'hui, t'amener jusque dans ses profondeurs pour te faire entendre des choses, pour te faire voir des choses. C'est là que quand nous revenons de ce voyage-là, nous revenons avec la parole de Dieu, pas seulement pour les hommes, mais pour la nation, pour les rois de la terre. Et nous annonçons les choses qui vont arriver. Vous voyez, lorsque la parole de l'Éternel m'a été adressée, que Dieu m'a transporté, jusqu'au jour du Seigneur, et que j'ai vu ce qui arrivera au président Joe Biden, et que je suis revenu, et que j'ai déchiré ma veste, donnant la parole de l'Éternel à cette génération incrédule. Les gens commençaient à bavarder. Les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent pas. L'homme est un éternel insatiable. Les gens n'apprennent pas. Nous avons prophétisé sur d'autres nations. Vous avez parlé, vous avez insulté Dieu. Vous avez boudé, mais c'est arrivé. Vous vous êtes tu. Après cela, la parole de l'Éternel nous a encore été adressée. Nous avons encore déclaré la parole de l'Éternel avec fierté, avec audace. Nous l'avons fait avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement. Vous êtes moqué, vous avez insulté, vous avez parlé, vous êtes monté, vous êtes descendu. Mais la chose est arrivée. Vous n'avez pas appris la leçon. Vous n'avez pas appris que Dieu est le maître des temps, des saisons, des circonstances, qu'il peut changer la condition de tout homme. Il peut briser n'importe qui en tant qu'humain sur la terre des vivants. Vous n'avez pas compris que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Vous n'avez pas compris que le ciel et la terre sont son ouvrage. Et qu'il y a des choses qu'il a fait plus grandes, plus fortes, plus merveilleuses, plus mirifiques, plus mirobolantes, plus excellentes que la terre que vous connaissez. Et la terre que je connais, vous ne savez pas que l'œuvre invisible de Dieu est plus grande que l'œuvre visible de Dieu. Mais ces choses sont arrivées afin que vous appreniez la loi de l'humilité, que vous compreniez que la vie de l'homme ne dépend pas de lui-même, mais de Dieu qui est assis sur le trône. Donc les gens ont parlé. Mais je bénis Dieu pour les voyages dans l'esprit. Dieu nous emmène dans son pays. Nous avons visité son pays. Donc, et le Seigneur m'a enseigné une leçon aujourd'hui. Elle est un peu compliquée, elle est un peu difficile. Mais je vais la partager avec toi. Après cela, tu prépares ton eau. Nous allons prier. Et tu vas me dire ce qui s'est passé dans ta vie. S'il te plaît, tu vas me le dire. Donc, et il faut me dire ce qui s'est passé cette nuit dans ta maison. Quelle est l'expérience que tu as eue avec les anges du Seigneur? C'est qu'en même temps, je ne peux pas lire les commentaires, parce que vous savez que les commentaires, pendant nos plateformes ici, c'est des milliers de commentaires. Donc, vous allez nous partager ces témoignages-là, et nous allons nous arrêter un instant pour essayer de... S'il y a quelqu'un qui peut m'aider ici à la maison, je ne sais pas si Mireille est là, elle est en train de suivre, ou bien, c'est plus Désiré ou qui, et j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à lire
les témoignages, ça veut dire à sélectionner les témoignages les plus importants et nous allons les partager avec vous parce que moi, mais je peux pas faire le direct et avec le laps de temps que j'ai, aller encore fouiller dans plus de 6000 témoignages, 5000 témoignages, parfois 7000 témoignages, 8000 témoignages, c'est compliqué. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus, reçois ton témoignage immédiatement. Dans la main de Dieu, elle est forte. Et le Seigneur m'a enseigné, parce que nous parlons de briser les malédictions de la terre. J'ai senti la chair de poule. Oh, encore merci Seigneur. Ça, c'est Emile Job qui nous a écrit. Oh, ça, c'est bien ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le Seigneur m'a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Dieu est vivant. Daddy, vous connaissez ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas dire le tout. Ça, c'est merci Tchado qui écrit cela. Oui, mais quand même, partagez-nous un peu, pardon. Mais si c'est un peu, on va prendre. Voilà, le Seigneur est vivant. Maros Malita Udali Manata. C'est ça. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur pour ma délivrance et celle de ma famille. Là, c'est Mireille Ngepi. Nous bénissons le Seigneur pour la délivrance de votre famille au nom souverain de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il y a Noël Mvogo qui a écrit que l'ange de l'Éternel visite mon fils Thomas Georges au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je dis amen à cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est bien. Merci Jésus. Oh, ça, c'est beau ça. Dieu agit. Dieu agit encore aujourd'hui. Ah, Jésus agit, il est vivant. Voilà, j'ai été localisé deux fois par le Saint-Esprit. Là, c'est Laure Gerline qui écrit. Merci Laure, nous sommes heureux pour vous. Ça, c'est bien. Le Seigneur est vivant. Benata mali lo, la inna ou alibin, wa inna. Partage la vidéo, pardon, partage. Partage la vidéo. Avant que je ne commence à expliquer la Bible, partage la vidéo à Paris. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est Apollonie Mbala. Amen. Qu'il en soit ainsi, vous recevez la manifestation de Dieu. Seigneur, guérison pour ma mère atteinte du COVID-19. Là, c'est Aspiqué qui le dit. Aspique. Au nom de Jésus, votre maman se relève dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Ok, voilà. Vous voyez, si quelqu'un ne croit pas en la puissance de la prière, c'est que c'est un fou. Qui ne me dise même pas bonjour. Hein. Je ne veux pas accepter son bonjour. Alors, cette nuit, le Seigneur m'a emmené dans une sorte de botanique. Je ne sais pas si c'est la botanique. Une sorte d'agriculture concernant les lois de la terre. Et le Seigneur m'a enseigné, et puis j'ai été vraiment, vraiment marqué par la sagesse de Dieu. Je n'ai pas fini de comprendre moi-même, mais je veux partager avec toi quand même. Et après cela, nous allons prier ensemble, et Dieu va se manifester. Ce soir, à Yaoundé, nous avons la puissance de Dieu, atmosphère de miracle. Tous les habitants de Yaoundé, mobilisez-vous. Ne reste pas à la maison. Si tu restes à la maison, la journée-ci, là, la grande journée-ci, le jour où Dieu veut te visiter là, c'est que tu n'aimes pas ta propre vie. Je te dis la vérité. Ne reste pas à la maison. Ne laisse pas tes enfants à la maison. Prends toute ta famille à 16h, soit à la Bire, à Yaoundé. Dimanche, nous aurons 3 cultes. 7h, 10h à la Bire, 10h, 13h à la Bire. À partir de 16h à Douala, la main de Dieu va se manifester avec grande puissance au milieu de nous. Pour tous ceux qui viendront, Dieu vous visitera, Dieu vous exaucera. Je vous dis la vérité. Et le mois d'avril est un mois puissant parce que nous avons nous avons le culte des plaintes à l'Éternel. Le culte des plaintes à l'Éternel. Dieu veut se manifester. Dimanche le 25 avril, la main de Dieu sera puissante dans nos vies. Ne manque pas ce culte de plaintes. Viens présenter tes plaintes à l'Éternel. C'est une fête, c'est un événement. C'est un jour de grande délivrance et de grande libération pour nous et pour nos familles. Nous présenterons aussi nos offrandes familiales à Dieu. Je veux dire à ceux qui s'amusent avec l'offrande familiale, qui ont occulté des familles, au lieu de consacrer leur famille à l'Éternel, ils sont assis à l'église. Ils laissent les autres confirmer leur famille et consacrer leur famille à Dieu. C'est un moment où tu dis aux autres que, allez, recevez toutes les bénédictions. Moi et ma famille, nous, on va rester dans la malédiction. Nous allons rester en arrière. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que ces familles qui se soumettent à l'Esprit de Dieu, c'est eux. C'est elles que Dieu bénit. Hein? Il bénit et dit qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est eux que je reconnais comme mes frères. C'est eux que je reconnais comme ma famille. Donc, il faut faire attention. Ne jouez pas avec Dieu. Surtout quand vous êtes dans un ministère prophétique. Quand il y a des injonctions prophétiques, il faut faire attention. C'est ce qu'on a vu avec le général Naaman qui a voulu mépriser l'injonction du prophète parce que pour lui, c'était un peu trop simple. Oui, ce que tu penses être trop simple là, ta vie en dépend. Ta bénédiction en dépend. La délivrance de ta famille en dépend. La restauration de ta famille en dépend. Ceux qui viennent à l'église tout en négligeant ou en méprisant la parole des hommes de Dieu dans ces ministères, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vaut mieux ne pas venir à l'église. Reste à la maison chez toi. Joue avec ta vie. L'église ne doit pas être un milieu
pour ceux qui jouent avec leur vie, mais un milieu pour ceux qui prennent leurs responsabilités en main. Tu peux m'aider avec la lecture des commentaires là? Oui, assois-toi ici, pardon. Ça, c'est l'homme intègre, c'est mon beau-frère, l'assistant. Je te nomme immédiatement assistant interplanétaire du prophète dans l'émission Décryptage des Écritures. Donc, il faut entrer dans le programme. Tu regardes les messages de témoignages. J'ai demandé ce que l'ange a fait dans la vie de nos frères et nos sœurs. Et on veut partager cela avec les autres. Donc, dès qu'il y a un témoignage comme ça, tu lèves la main. Et tu me fais signe. Et puis, on va lire. Alors, maintenant, écoutez, je vais vous lire un passage d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, où je me suis arrêté cette nuit. Et je vais lire ce passage et puis je vais vous expliquer une ou deux choses. Et on va prier. Parce que ce matin, on doit faire une prière dangereuse dans ta vie pour la libération de ta vie et de ta famille dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 28. Ésaïe 28. Oh, Seigneur, ta sagesse est grande. Ta sagesse est grande. Ta sagesse est grande. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'arrêtera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ça, j'ai aimé ça. Ça dit, écoutez la beauté de l'écriture, écoutez la beauté de la Bible, écoutez la sagesse. Écoutez, on parle d'un prophète qui a existé il y a de cela au moins 3000 ans aujourd'hui. Mais écoutez la poésie, écoutez, le Saint-Esprit est frais. Le Saint-Esprit est frais. Ça veut dire que, oui, c'est pour l'assistance. Maman Mireille, assois-toi s'il te plaît, je veux qu'on me lise le message. Toi, je te nomme immédiatement lectrice inter... Quoi, toi, c'était interplanétaire, elle, c'est universelle. Oh, ça, c'est extraordinaire. J'ai besoin d'assistance, je vous dis la vérité. Ce travail, le royaume, vous participez à faire avancer le royaume de Jésus. Les nominations, c'est en agogo. Maintenant, il faut seulement enlever le volume là-bas. Que Dieu te bénisse. Maintenant, il dit ceci. Il dit, maintenant, ne vous livrez point à la moquerie. De peur que vos liens ne soient resserrés. Ah, oh, là, j'ai dit la nuit que mon Dieu, ça c'est... Quand j'ai dit même la nuit, il était déjà presque 5 heures, hein, hein, vers 5 heures là. Il dit, ne vous livrez pas à la moquerie. Ne vous livrez pas à la moquerie. De peur que vos liens ne soient resserrés. Je veux parler à ceux qui se moquent de Dieu. À ceux qui se moquent des hommes de Dieu. À ceux qui se moquent de l'église de Dieu. Surtout au Cameroun, hein, à ces personnes qui pensent qu'elles sont quelque chose. Et qui se moquent du peuple de Dieu. Qui se moquent des enfants de Dieu, qui se moquent des serviteurs de Dieu et qui déclarent même en public qu'on se moque de vous. Je me moque de toi, je me moque de ton Dieu. Si quelqu'un t'a dit ça, je te dis la vérité, la personne est dans les problèmes. Il dit de peur que vos liens ne soient resserrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques de Dieu, mais la Bible dit que tu es déjà dans des liens. Il y a des liens dans ta vie. Mais dis, ne te moque pas de Dieu, ne te moque pas du peuple de Dieu. Ne te moque pas des hommes de Dieu, de peur que les liens dans lesquels tu es ne soient resserrés. Ça veut dire que de peur que ta souffrance ne s'accélère, de peur que ton mal ne s'accentue, de peur que la douleur de ta vie ne s'augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque se moque de Dieu est dans des liens. Quels liens? Les liens de la malédiction divine. C'est ça la vérité. Et tu ne vous moquez pas de peur que vos liens ne se resserrent. Donc c'est dangereux. Ceux qui se moquent de Dieu, qui se moquent des enfants de Dieu, du peuple de mon Dieu, leurs liens seront resserrés. Ceux qui méprisent le nom de l'Éternel, toute personne qui me regarde ce matin, quelqu'un t'a dit un jour, « Oh, tu vas à l'église là, je veux voir comment tu deviendras ceci. Je verrai, depuis que tu vois, on ne voit rien dans ta vie. » Je te dis la vérité, les liens de la personne viennent de se resserrer. Et l'Éternel vient de te sauver, de briser les liens de la malédiction, de la limitation dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Moi, j'aime les gens qui mettent mon Dieu à défi. Je dis la vérité, j'aime ce genre de candidat. J'aime qu'on me mette à défi. Ce n'est pas moi que tu mets à défi. La Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus dit. J'aime les gens qui défient mon Dieu. J'aime les gens comme ça. J'aime ceux qui défient mon ministère. J'aime les gens comme ça. J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais vu un seul homme, une seule femme depuis que je sers Dieu. Et ceux qui travaillent avec moi peuvent témoigner. Qui s'est arrêté un jour pour me prendre pour ennemi ou l'œuvre que Dieu m'a demandé d'accomplir pour insulter mon Dieu et insulter la maison de mon Dieu? J'ai dit la vérité, hein, devant Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu une seule de ces personnes échapper. Voilà la gloire que Dieu met sur son peuple ce matin. Dieu brise la malédiction de la terre. Donc les gens, il y a parfois, l'homme est insensé.
Parce que tu vois telle personne, parce que tu es bien aujourd'hui, lui, sa condition, elle est un peu précaire, il vit dans une sorte de précarité, ça peut être sentimental, financier, ou bien, je sais pas trop. Et puis, tu t'appuies sur ton bien-être pour déclarer des choses et défier son Dieu à cause de son mal-être. Non, il faut être insensé pour le faire. Tu ne peux pas défier mon Dieu et tu échappes. Tu ne peux pas parler contre mon Dieu et rien ne t'arrive. C'est pas possible. Mais si tu es qui? Dieu va te bouger. Dieu va te toucher. Dieu, le doigt de Dieu va te toucher. Ces liens seront resserrés dans ta vie. Afin que tu apprennes à ne pas parler devant le Tout-Puissant. Afin que tu apprennes l'humilité. Afin que tu apprennes à t'humilier devant ton Créateur. Comme c'est mon Créateur, c'est ton Créateur. La seule différence, c'est que moi je me soumets à sa parole et toi tu es rebelle à sa parole. Et la Bible dit, vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et aujourd'hui, Dieu va faire la différence entre toi qui sers le Seigneur et celui qui ne sert pas Dieu. Entre toi qui crois au nom de Jésus-Christ et tous ceux qui autour de toi ne croient pas au nom de Jésus. Je viens de recevoir quelque chose de fort dans mon esprit. Écoutez, il y a des gens qui me regardent. Tu es dans une situation dangereuse. Tu es dans une situation compliquée. Tu es dans une situation très, très difficile. Ça veut dire que vraiment, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir de cette situation. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, de croire. Il te sort de cette situation. L'Esprit, oh Seigneur, l'Esprit de Christ qui est en moi et qui déborde dans ma vie, te sort de cette situation dans le nom précieux de Jésus. Toi qui laveras ta face ce matin, c'est ta délivrance. Tu sors de ton tombeau, tu sors de cette prison. Quel que soit l'endroit où on t'avait mené en captivité, ta captivité prend fin ce matin dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Lisons encore Ésaïe. Et Ésaïe dit, il dit, « Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. » Son œuvre étrange. Ouais, Seigneur. Il dit, « De peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur. Hey! Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Balata wa anna abrosta. Esaïe dit, je l'ai appris du Seigneur. Vous ne le savez pas. Mais comme je passe le temps avec le Seigneur, j'ai passé la nuit avec le Seigneur, je l'ai appris du Seigneur. La destruction du pays est résolue. Ici, le pays, ça peut représenter une nation qui rejette Dieu. Le pays peut représenter un homme ou bien une femme qui rejette Dieu, qui se moque de l'œuvre de Dieu. Une telle personne, sa résolution, ça dit sa destruction, est résolue. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. On ne touche pas à mon Dieu. On ne profane pas le nom de mon Dieu. Il t'apprendra que tu es un pauvre homme, tu es un pauvre humain. Donc la Bible dit que, il dit ceci, il dit, « Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. » Soyez attentifs et écoutez ma parole. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Écoute, Dieu me dit de te dire quelque chose ce matin. Dieu dit que celui qui laboure, laboure-t-il toujours? Est-ce que tu as déjà vu un cultivateur qui laboure en saison sèche, il laboure en saison pluvieuse? Il laboure en saison sèche, il laboure en saison pluvieuse, il laboure en saison sèche, il laboure en saison pluvieuse. Toute sa vie, il laboure? Non. Mais cependant, il y a des gens, leur vie, c'est comme ça. Leur vie, c'est le dur labeur. Leur vie, c'est les sacrifices. Leur vie, c'est le travail. Leur vie, c'est la souffrance. Leur vie, c'est qu'il laboure. Aujourd'hui, il laboure. Demain, il laboure. Après demain, il laboure. Saison sèche, il laboure. Saison pluvieuse, il laboure. Ils n'ont jamais cessé de labourer. Leur vie, c'est le labourage. Leur vie, c'est labourage sur labourage. Ils n'ont jamais cessé de labourer. Ils travaillent comme des esclaves. Ils travaillent comme des esclaves. Ils meurent de travail. Ils ne récoltent jamais. Ils ne se reposent jamais. Ils ne jouissent jamais du fruit de leur travail. Maintenant, en parcourant le livre d'Ésaïe, quand je suis arrivé au chapitre 3, le verset 10, la Bible dit ceci. Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Comprenez, Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste vivra et qu'il jouira du fruit de son travail. Dites que le juste vivra. C'est-à-dire quoi? Il vivra. C'est-à-dire qu'il va, il va connaître la prospérité. Il va connaître la joie de vivre. Ses affaires vont réussir. Il sera un homme, il sera une femme, le juste. Ça veut dire qu'on verra la gloire, on percevra que cet homme travaille, il mange. Mais il dit encore qu'il jouira du fruit de son travail. Maintenant, au chapitre 28, le verset que nous venons de lire tout à l'heure,
La Bible, le Seigneur pose donc la question. Il dit, est-ce que celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? On laboure pour semer. On ne laboure pas, on laboure, on laboure, on laboure. Et Dieu m'a dit qu'il veut briser la malédiction du labourage perpétuel dans ta vie. Il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Mais ce n'est pas que toute ta vie, toi tu es comme un esclave. Lorsque la terre est maudite dans ta vie c'est l'éternel labourage. Ça veut dire que tu deviens un laboureur éternel sans résultat. Tu laboures, tu laboures, tu laboures, les autres mangent. Tu laboures, d'autres viennent moissonner. Tu travailles un peu comme Israël à l'époque des Madianites. La Bible dit qu'ils travaillaient, ils semaient, ils ensemençaient la terre. Et lorsque la moisson arrivait, Madian était au courant. Madian venait récolter et partit en sorte qu'Israël mourait de famine. Il y a des gens comme ça qui meurent de famine, pourtant c'est des excellents travailleurs. Tu es une femme, tu te bats. Ça veut dire que tu as toutes les qualifications pour te marier. Et tu vas labourer dans la vie d'un homme. Tu laboures dans la vie de cet homme. Tu laboures dans sa vie. Il était encore rien. Tu l'as aidé. Tu as labouré. Il est allé à l'école. Tu as labouré. Il est allé à l'université. Tu as labouré. Peut-être il est allé à l'école de médecine. Tu as labouré. Il est sorti docteur. À l'heure maintenant de moissonner, il te dit que sa maman a dit qu'il faut qu'il rentre au village. Vraiment, il doit épouser une fille de son village. Pourtant, tu as labouré. Maintenant, tu quittes de là. Tu reprends encore à zéro. Tu retrouves encore une autre personne avec qui tu commences encore à labourer. Tu laboures dans la vie de la personne. Tu laboures dans la vie de la personne. Tu laboures dans la vie de personne, la personne. Lorsque la personne devient déjà quelqu'un, la personne te déclare encore la même parole que l'autre t'avait déclaré, que mon père avait dit que, et puis la personne va encore t'abandonner pour aller épouser une autre personne. Donc, c'est ça un peu la vie de certaines personnes. Tu vas trouver une idée. Tu vas labourer l'idée. Tu laboures ton idée. Tu laboures l'idée. Maintenant, tu associes quelqu'un. L'heure où il faut moissonner, la personne vole ton idée et devient riche à ta place. Ouais, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Nous devons comprendre une chose. Lorsque ta terre est maudite, tu passeras ta vie à labourer sans jamais voir le résultat de ton travail. Tu ne jouis pas de ton fruit de travail. C'est-à-dire que tu travailles comme un éléphant, mais tu n'as jamais de moisson. Parfois, s'il y a même la moisson, c'est la récolte de la fourmi que tu as. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça dans votre vie? C'est l'Éternel qui attire notre attention là-dessus. Est-ce que tu n'as jamais remarqué ça? Tu fréquentes, tu étudies. C'est-à-dire que quand on fait les compositions, la restitution de connaissances en classe, tu es même premier. Mais le jour où il faut faire l'examen pour aller en classe supérieure ou pour avoir le diplôme, tu échoues. C'est de ça qu'il est question. Toute personne qui écoute ma voix ce matin et qui avait ce démon dans sa vie, cette malédiction dans sa vie de travailler, travailler sans moissonner, travailler, travailler sans résultat, cette malédiction est brisée de ta vie. Comme nous l'avons nos faces ce matin, le Seigneur te sépare de la malédiction du labourage perpétuel et permanent. Si tu dis Amen, Dieu va agir. C'est la même chose en tant qu'homme de Dieu. Est-ce qu'on a jamais remarqué ça? Tu travailles. Quand la bénédiction de Dieu est dans ta vie, tu travailles comme une fourmi. La moisson de l'éléphant t'est donnée. Tu travailles un peu, hein. Tu parles juste un peu. Les gens viennent comme ça. C'est ça le problème. En tant qu'homme de Dieu, parfois tu peux voir ton ministère. Tu prêches comme ça. Tu prophétises avec détail. Tu pries, les malades guérissent, mais les gens ne viennent pas. Tu laboures, tu laboures, tu laboures, le ministère ne grandit pas. Parce qu'il y a une malédiction dans la terre de ta vie qui doit être brisée, la malédiction du labeur éternel. Que Dieu brise cette malédiction dans ta vie. Que Dieu anéantisse la puissance de ce démon dans nos vies ce matin. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Il dit, celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Hein? Est-il toujours là à remuer le sol? Est-ce que tous les jours, il est là où il y a des gens comme ça? Du 1er au 31, 1er janvier au 31 décembre, ils ont la houe en main. Année après année, ils travaillent. Et ils risquent de mourir en travaillant si Dieu n'intervient pas rapidement, pas des plateformes comme celle-ci, pour briser la malédiction dans leur vie. C'est pour ça que je te dis, si tu aimes quelqu'un, tu aimes ta vie, tu aimes ta famille, pardon, l'acte prophétique de lavement de la face, ne t'amuse pas avec, ne joue pas avec, ce n'est pas le jeu. Nous sommes en train de cibler les malédictions cachées dans nos vies. Dieu va briser la malédiction du labeur perpétuel et permanent dans ta vie. Tu vas labourer et tu vas ensemencer et tu vas moissonner et tu vas manger. Parce que tu peux travailler, tu peux ensemencer. Tu peux moissonner. À l'heure de manger, tu meurs. Je connais l'histoire d'un monsieur qui a construit un immeuble vers Essos là-bas. Il a à peine achevé l'immeuble. C'était un hôtel ou bien un immeuble. Un hôtel, c'est un hôtel.
un hôtel. Il a conçu l'hôtel. Juste à la veille de l'inauguration de l'hôtel, il est mort. Il y a des gens comme ça. Maintenant, qui jouit de l'hôtel, c'est les autres. Des gens qui peut-être l'insultaient même. Des gens qui y parlaient, qui le méprisaient même, qui disaient, ah, qui l'a, oh. Des gens peut-être qui l'avaient dit que toi, tu ne goûteras plus jamais mes 5 francs. Peut-être même c'est à ces personnes-là qu'on a distribué ce bien. Vous voyez, c'est une malédiction. Tu ne peux pas travailler, quelqu'un d'autre vient jouir de ton travail. Toi, tu dois jouir. Les gens, parfois, construisent des maisons. À l'heure de déménager, la personne meurt. C'est des étrangers qui vont habiter dans sa maison. C'est une malédiction, frère. Elle vient de la terre. C'est une terre qui parle contre cette personne. Une telle malédiction n'aura plus d'autorité dans ta vie. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Envoie le cœur, envoie le pouce bleu. Je sais que tu es là. Ça veut dire que tu dis amen et que tu es vivant avec moi. Non, tu ne peux pas. Cette malédiction quitte ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Et il dit ceci. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qui répand de la nielle et sème du cumin? Voyez, il dit, Dieu donne la loi. Je vais revenir sur ça encore demain. Hein. Aujourd'hui, on s'arrête d'abord à ce niveau. Il dit que, la Bible dit, hein, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, n'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand la nielle et sème du cumin? Vous savez, la nielle ou bien la nigelle, hein, nielle, c'est le synonyme, il y a aussi, c'est nigelle aussi et le cumin, ce sont des plantes aromatiques thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés beaucoup dans la phytothérapie. La phytothérapie, c'est ça. Donc, c'est des condiments. C'est des condiments cultivés en Inde et des condiments qui étaient importés en Israël à l'époque et qui étaient aussi cultivés en Israël, mais qui étaient très précieux. Alors, ici, Dieu parle de labourer le sol et puis il dit, on a plani. Quand, oh, Dieu est fort, j'étais impressionné par la sagesse de Dieu. Je vous dis la vérité. Il parle de labourer le sol. Tu dois labourer le sol. Quand tu as labouré, maintenant il dit tu as plané le sol. C'est après ça que tu répands le cumin ou bien la nielle ou bien la nigelle. On dit nielle ou bien nigelle. Tu répands la nigelle ou bien la nielle et puis le cumin. Et puis il parle de la nigelle, il parle du cumin qui sont des plantes thérapeutiques, qui sont des plantes qui apportent la santé, qui apportent la guérison et la longévité, qui contribuent au bien-être de l'homme. Comme pour dire quoi? C'est une approche prophétique. Pour dire que dans ta vie, on ne trouvera pas de mauvaises plantes. On ne trouvera pas de mauvaises semences. Les semences de malédiction, de maladie, de destruction sortent de ta vie dans le nom précieux de Jésus. Je sème dans ta vie le cumin. Je sème dans ta vie la nielle ou la nigelle. Quelqu'un dit amen. Et il y a une plante aromatique qui vient aromatiser ta vie. Il y a une plante thérapeutique qui vient guérir ta vie des malédictions de la terre, des malédictions de la maison de ton père, des malédictions de la maison de ta mère, pour te libérer complètement de l'influence de ces malédictions. Les cumin et la nigelle sont des plantes aromatiques qui ont une bonne odeur, qui apportent le parfum dans ta vie. Le parfum de Dieu vient dans ta vie. C'est des plantes symboliques qui représentent une semence spirituelle qui vient enlever les mauvaises odeurs de ta vie. Il y a des gens qui souffrent de la malédiction des mauvaises odeurs. La malédiction des mauvaises odeurs, c'est quoi? Tu vas remarquer que quand tu arrives quelque part, on ne t'apprécie pas. On apprécie tout le monde, toi on ne t'apprécie pas. Tu fais quelque chose, c'est bien, c'est irréprochable, mais toi on rejette. Tu amènes ton dossier quelque part. S'il y a la malédiction des mauvaises odeurs dans ta vie, on va prendre le dossier des personnes moins compétentes que toi. Mais ton dossier aura comme une odeur, dégagera comme une odeur nauséabonde spirituelle qui va repousser ceux qui étaient placés pour ta bénédiction, pour ta visitation. C'est la même chose. Même dans le ministère, lorsque vous avez la malédiction des mauvaises odeurs spirituelles, vous avez besoin de l'onction du cumin, vous avez besoin de l'onction de la nielle ou de la nigelle dans votre vie. Et ce matin, il y aura l'onction du cumin et l'onction de la nigelle que je vais libérer dans ta vie. Donc, en tant qu'homme de Dieu, lorsqu'il y a cette malédiction de mauvaises odeurs dans ta vie, tu auras beau prier, tu auras beau prêcher, tu auras beau manifester les dons de l'esprit, mais cependant, les gens ne viendront pas dans ton ministère parce qu'il y a une sorte de répugnance spirituelle. C'est ça que les gens appellent l'esprit du rejet. Vous comprenez? C'est ça que les gens appellent l'esprit du rejet. En réalité, c'est la malédiction des mauvaises odeurs. Et le remède à cette malédiction, c'est l'onction du cumin et c'est l'onction de la nigelle. Et je libère cette onction dans ta vie. Pendant que nous lavons nos faces ce matin, Dieu éloigne de ta vie la mauvaise odeur. Même quand vous êtes commerçant, vous êtes femme d'affaires, vous avez une boutique, vous avez un business. Lorsque vous avez la malédiction des mauvaises odeurs dans votre vie, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de clients dans ta boutique.
Les clients vont venir, ta boutique devient invisible. Les gens, ça dit, les gens répugnent ta boutique. Les gens fuient ta boutique. Les gens vont laisser ta table, ta marchandise, pour aller prendre parfois des marchandises de moins, de qualité moindre que tes marchandises. C'est l'effet d'une malédiction qui vient de la terre. La même chose pour un homme ou bien pour une femme qui a la mauvaise odeur dans sa vie. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la bonne odeur de Dieu pour nous. Vous comprenez? Il est le parfum de Dieu pour nous. Donc, quand cette mauvaise odeur est dans ta vie, tu auras des problèmes. Hein? Tu auras beaucoup de problèmes dans ta carrière. Tu auras ce qu'on appelle la malchance. La malchance, en réalité, c'est la conséquence des malédictions, des mauvaises odeurs que les démons mettent, que le diable sème souvent dans la vie de certaines personnes. Dans ton lieu de travail, pour rien, on te hait. Pour rien, le patron te fait les problèmes. Pour rien, tes supérieurs te créent des problèmes. Pour rien, on fait de faux rapports sur tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction de mauvaise odeur dans leur vie. Maintenant, chacun doit examiner sa vie. Est-ce que j'ai une malédiction de la mauvaise odeur dans ma vie? Quand la malédiction s'est brisée par l'onction du cumin et de la nigelle, partout où tu vas, on t'accepte. Les gens te respectent. Les gens se courbent pour te saluer. Il y a un grand accueil. Il y a un grand enthousiasme partout où tu arrives. Que Dieu te délivre de la malédiction, de la mauvaise odeur au nom puissant et souverain de Jésus. Tu dis Amen. Tu reçois ta délivrance immédiatement. Donc, prends ton eau. Le Seigneur m'a révélé dans ces choses cette nuit. Et le Seigneur m'a dit, tu dois prier pour que l'onction du cumin et l'onction de la nigelle puissent toucher mon peuple. Je veux séparer mon peuple des mauvaises odeurs et des malédictions que la terre crasse et vomit dans sa vie. Donc, tu vas prendre ta bouteille d'eau. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quand même quelques commentaires, des témoignages puissants qu'on va lire tout à l'heure? Baraka wa anna brazo sotrem la'in. On va prier d'abord. Ou on prend quelques témoignages rapidement et on prie sur l'eau. Parce qu'après ça, ça va aller vite, vite, très vite. Ça sera très fort. Je serai à Garoua du 4 au 6 mai. Hein, 6 avril. Dans le nom de Jésus. Du 4 au 6 mai. Voilà. Du 4 au 6 mai, la gloire de Dieu sera forte à Garoua. En Gaoundéré, je serai là le 3 mai à Onaref, au niveau de notre église. La main de Dieu se manifestera avec autorité. Donc, on va lire quelques témoignages avant de prier. Il y a le témoignage, tu peux lire? Oui. Est-ce que tu peux lire le témoignage là rapidement? Lise. Ça, c'est le micro. Oui. Damazana. On va lire les témoignages pour que tu sois encouragé. Ceux qui sont là pour la première fois, qu'ils soient témoins de ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Après ça, c'est ton tour de recevoir l'onction. Il y a M. Issa Alimato qui dit que tout à l'heure, là, pendant que vous étiez en train de prêcher, il a senti quelque chose sortir de son pied. Donc, il a sursauté parce que vous étiez en train de prêcher. Donc, il dit merci pour la délivrance. Monsieur Issa Ayatou. Que Dieu le bénisse. Issa Ayatou, nous sommes très heureux de votre délivrance. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans votre pied et le Seigneur vient de vous en délivrer. Vous voyez, il y a les chaînes. On parle des liens spirituels. Monsieur Issa Ayatou vient de recevoir une délivrance instantanée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a Micheline Josse qui dit, papa, je suis hospitalisée car j'avais très très mal au ventre. Depuis hier, je suis guérie. Merci Seigneur. Waouh. Elle était hospitalisée. Mais hier, elle a suivi le direct. Seigneur a rétabli la santé dans sa vie. Que Dieu vous bénisse et cette guérison est permanente dans la grâce de Jésus-Christ. Amen. Il y a Delphine Destré. Delphine Destré. Qui dit qu'elle avait un problème. Donnez-nous la situation topographique de votre pays. Elle avait un problème au dos. Donc hier, après la prière, elle a senti un soulagement au niveau de son dos. Waouh, Delphine Destré, ça c'est un nom dangereux. Donc, merci pour cette délivrance, Seigneur, dans la vie de Delphine Destré. Seigneur, multiplie les guérisons. Tout à l'heure, par la prière et l'action prophétique, lavement de la face, Seigneur, que l'onction du cumin et de la nigelle soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Il y a M. Jean-Claude Ndjong qui dit que son fils avait mal au ventre depuis des années. Depuis des années. Depuis hier, il est guéri. Waouh, depuis hier, en direct. C'est pas qu'on l'a touché, on n'a pas imposé les mains. Mais par la foi, le Seigneur l'a fait dans sa famille. Nous disons gloire à Jésus-Christ pour cela. Il y a Mama Bema qui dit que votre fille Guillermina de Paris a dit qu'après la prière, quelque chose s'est passé. Il y a une plante dans sa maison de plus d'un mètre qui s'est déplacée. Hein? Qui s'est déplacée. La plante s'est déplacée. Bari wa inna borozo. Est-ce que les gens suivent ça? Il y a une plante de plus d'un mètre. La plante, physiquement, s'est déplacée. S'il vous plaît, ne gardez pas votre histoire pour vous-même. Ne gardez pas votre témoignage pour vous-même. Passez-nous ces témoignages au nom de Jésus-Christ. Demain, nous aurons encore plus de témoignages avec Maman Mireille Rose Mousseni Otam.
Voilà. Merci Jésus. Alors, prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau maintenant. Partage la vidéo sur pardon. Partage la vidéo. Pardon. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui le lien. Qui se connecte. Qui soit délivré maintenant. Prends ta bouteille d'eau. Père, je prie au nom souverain de Jésus-Christ. Mala ina okam zabro. Bremi anura bana utalef maladen. Gozen wa ina blomero. Un instant. Bias mali lo. Sama in grastei. Lo bremi tala sawa anna morazo. Globenat manraza. Voyez ça, c'est passé, je fais tout seul. Berami anura idan wa anna bromidal. Sora in kras mani. Lei anora in salao. Le ma anna erazen saramra ida ou dalas. S'il vous plaît, connectez-vous, partagez la vidéo aussi. Partagez le moment si c'est dangereux. La in asamanza urami. Goma in nora is promen. Lo in asman. Zo in arami la en samao. Ga in asmani saras. Wa anna lo ma ade isam. Lo de mat. Ma in asmaro. Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui seront visités immédiatement. Dieu me dit qu'il y a des gens qui seront visités immédiatement. Il y a des gens qui seront visités immédiatement. Père, je prie que la malédiction des mauvaises odeurs dans nos vies, dans nos maisons, dans nos carrières, dans nos projets soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Dans le nom puissant de Jésus, toute famille qui souffre de la malédiction des mauvaises odeurs sur le plan sentimental, le plan spirituel, le plan des projets, le plan professionnel, au nom puissant de Jésus. Père, en lavant sa face, que la délivrance entre dans leur vie. Toute personne dont la vie, c'est déception sur déception. Déception sur déception. Pleurs sur pleurs. Pleurs sur pleurs. Plaies sur plaies. Blessures sur blessures. Contusion sur contusion. Déception sur déception. Confusion sur confusion. Maladie sur maladie, malédiction sur malédiction, souffrance sur souffrance. Au nom puissant de Jésus, je libère l'onction du cumin et de la nigelle dans leur vie pour briser et chasser la malédiction des mauvaises odeurs qui engendrent les déceptions, qui engendrent les éternels recommencements, qui engendrent l'esclavage, qui engendrent la souffrance, qui engendrent le célibat, qui engendre les maladies sales au nom puissant de Jésus. La malédiction des mauvaises odeurs saute de ta vie. Elle sort de ta vie dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que le mystère du christianisme est grand. Et le mystère de la piété est grand. Et ce mystère se révèle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Quiconque me regarde reçoit un miracle instantané direct. Instantané et direct, instantané et direct, instantané et immédiat, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bala in aura bana usoroza, wa in agromita udali voroza, ble pares man audei. Père, comme nous lavons nos visages, nous nous séparons aujourd'hui de la malédiction du labourage éternel. Du labeur éternel, du labeur perpétuel, de l'esclavage spirituel, de l'esclavage sentimental, dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui lavent leur face maintenant, entrent dans une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison d'élévation, une saison de célébration, une saison de témoignage, une saison de grandeur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom souverain de Jésus. Père, merci, cela se passe. Au nom de Jésus-Christ, amen. Prends de ton eau, lave ta face trois fois. Première fois au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Désolé pour toutes mes filles qui ont le maquillage, hein, ou bien qui ont mis le fond de teint, ou bien qui ont nettoyé le visage avec Sylvain Rose. Désolé. Vraiment, tu vas refaire le maquillage après, il n'y a pas de problème. Père, Dala wa inna mari zalo saromidali farazo. Toute situation dans ta vie va te quitter maintenant. Toute maladie va te quitter. Toute malédiction sera changée en bénédiction. Ta vie toute entière sera ointe par l'onction du cumin et de la nigelle. L'onction, si tu ne connais pas l'onction du cumin et de la nigelle qui vient de mon Dieu, le Dieu du prophète Esaïe,
Je libère la bonne odeur de Christ dans ta vie. Reçois. Je libère la bonne odeur de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois. Je libère la bonne odeur de mon Dieu dans ta vie. Reçois. Les mauvaises odeurs des maladies, déceptions amoureuses, déceptions professionnelles, déceptions dans tes projets, ces mauvaises odeurs te quittent. Cette mauvaise odeur quitte tes enfants. Cette mauvaise odeur quitte ta famille. Au nom puissant de Jésus, je brise la mauvaise odeur et je brise le malheur causé par cette mauvaise odeur dans vos vies, dans vos maisons, dans ton foyer, dans le nom précieux de Jésus. Écoutez, frère, dans un mariage, lorsqu'il y a une mauvaise odeur, la mauvaise odeur dans la vie du mari ou bien de la femme commence à haïr son mari pour rien. Elle prend son mari à haine pour rien. Ou bien le mari commence à haïr. C'est-à-dire qu'il y a une haine pour la personne. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est une malédiction dans la vie de la personne qui suscite ce sentiment de haine, de répugnation, de rejet dans le cœur, dans ton cœur ou bien dans ton entourage. Il y a des foyers qui subissent la malédiction, la mauvaise odeur. À partir de maintenant, la bénédiction et l'onction du cumin et de la nigel ou de la niel entre dans ton foyer. Entre dans ton foyer. Entre dans ton foyer. Entre dans ton foyer. Au nom de Jésus, je chasse Satan, qui est l'origine de ces malédictions de mauvaise odeur, dans ta vie, dans ta carrière, dans tes affaires, dans tes projets. Je vois tes portes ouvertes. Où tu étais rejeté, tu seras accepté, tu seras respecté, tu seras honoré. Si tu dis amen, l'onction du cumin, l'onction de la niel tombe sur ta vie. Reçois une visitation divine maintenant. Reçois cette bonne odeur de Dieu. Reçois ce parfum du ciel dans ta vie. Le parfum de la niel, le parfum de la nigel, le parfum du cumin. Reçois ta portion. À partir d'aujourd'hui, ta vie est aromatisée par l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par l'esprit de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'onction de la niel et de la nigel dans la vie des téléspectateurs. Reçois ta portion au nom puissant de Jésus. À partir de la prière, tu vas remarquer la bonne odeur de Dieu. Il y aura une odeur agréable autour de toi. Partout tu iras. Ton patron qui te combattait pour rien viendra te demander pardon. Parce que l'erreur qui était dans ta vie a été arrangée. Cette erreur de la mauvaise odeur que le diable avait incrustée dans ta vie vient d'être arrangé. Dans ton foyer, je vois des restaurations dans beaucoup de mariages. Je vous dis la vérité. Parce que l'onction du cumin et l'onction de la niel vient d'entrer dans ta famille. Et tout ce que le diable avait semé, les mauvaises odeurs dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, ces mauvaises odeurs se dissipent. Je les vois se dissiper. Je vois ces mauvaises odeurs se dissiper. Je vois ces mauvaises odeurs se dissiper. Par l'onction de la niel et par l'onction du cumin, la gloire de Dieu entre dans ta vie. Les parfums, les bons parfums de Christ entrent sur ta vie pour parfumer ta vie, pour aromatiser ta vie dans le nom précieux de Jésus. Ta vie qui était rejetée, à partir de maintenant, elle est mirifique, elle est mirobolante dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ton témoignage dans nos vies. Merci pour ton témoignage dans leur vie. Merci pour ton témoignage dans leur vie. Merci pour le témoignage que tu donnes à tous ceux qui sont connectés ce matin. Gloire et gloire à Jésus. Gloire et gloire à Jésus. La honte quitte ta vie. Gloire et gloire à Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à bénir le ciel. À bénir le Dieu de l'éternité. L'ancien des jours. Le rocher des âges. Bénis le Seigneur pour l'onction de la niel. Bénis Dieu pour l'onction de la nigel. Bénis le Seigneur pour l'onction du cumin dans ta vie. Dieu vient d'aromatiser ta vie. Tu viens de sortir de cette zone de rejet. Tu viens de sortir de cette zone de confusion. Tu viens de sortir de la zone où tout le monde te méprisait. L'honneur est sur toi. La gloire de Christ est sur toi. La représentativité de Dieu est sur ta vie. Je vous dis la vérité. Vous allez remarquer ce qui va se passer. À partir de la prière de ce matin, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Est-ce qu'il y a un numéro là que je peux parler avec une ou deux personnes rapidement? Les gens, écoutez. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'argent va te poursuivre, te persécuter. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie comme des esclaves. Mais Dieu me dit de te dire, à partir de maintenant, la mauvaise odeur qui attirait la pauvreté dans ta vie. Bye bye. Bye bye. J'ai dit bye bye à cette mauvaise odeur. Le parfum de Dieu est sur toi.
Le parfum de Dieu est sur toi. Le parfum de Dieu est sur toi. Le numéro là, c'est quoi, s'il te plaît? Appelez-moi maintenant. Appelez, oui. C'est quoi le numéro? Non, ton numéro là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? 675 87 78 20. 675 87 78 20. Appelle. Allô? Appelle, il n'y a pas de problème, appelez. Oh. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour madame. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour professeur. Oui, vous appelez d'où s'il vous plaît? Allô. Allô. Bonjour madame. Bonjour professeur. Vous appelez d'où madame? Allô. Allô? 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 Bon, on va prendre les appels, un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour, père. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé. Mm-hmm. D'accord, nous vous écoutons. C'est un témoignage ou un sujet de prière? C'est un sujet de prière. D'accord, quel est votre sujet de prière? L'esprit de rejet, papa, et de la pauvreté, la malédiction. Non, ça, écoutez, monsieur, j'ai déjà brisé ça. Le Saint-Esprit, par l'onction du cumin et de la nielle, vient de briser la mauvaise odeur. Donc, ne m'appelez plus pour les mauvaises odeurs, c'est fini. Vous êtes délivrés, croyez. S'il vous plaît, croyez, soyez un peuple qui croit. Ne faisons pas que le Saint-Esprit travaille en vain. Moi-même, je n'ai pas l'intention de travailler en vain. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez? Depuis Douala, papa. Non, parle ici, c'est même où. Depuis Douala. Brenda. Depuis Douala. C'est où le haut parle? Oui, Brenda, nous vous écoutons. C'est un témoignage ou bien sujet de prière? Pardon, papa. Oh, c'est un témoignage ou un sujet de prière, Brenda? Mon numéro papa, orange. C'est un témoignage, je vais parler après le lavement de. J'ai dit qu'elle m'envoie ça. Appelle là, qu'elle t'envoie ça rapidement. Papa, après le lavement de la. Vous dites? Oui. Je me suis réveillée ce matin, papa, j'ai trouvé mon front. Il était blanc et quand j'ai essayé d'enlever, il y avait des peaux mortes qui sortaient. J'ai frotté pendant au moins 25 minutes et après mon visage est clair. Il est clair, il brille même ce matin. Waouh. Donc, ça, vous suivez le témoignage de la sœur. Hier, elle a participé au lavage de la face et en dormant. Elle s'est réveillée, elle a trouvé les peaux mortes sur son visage, quelque chose comme blanc, elle a enlevé cela, son visage a été restauré. Il y a des gens, quand le diable met un filet sur ton visage, tout ce que tu fais est bloqué. C'est pour ça qu'il y a le service de lavement de la face. Allô, bonjour. Oui, papa, c'est ce que je disais. Allô? 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 Oui, bonjour, le haut-parleur, ce n'est pas puissant. Hein? Oui, bonjour. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis le Togo. Depuis le Togo. Waouh, ça c'est extraordinaire. Nous aimons le Togo. Alors, quel est votre témoignage ce matin? Ma témoignage, c'est ma soeur, c'est un géant. J'ai plus de l'eau, j'ai lavé la face. J'ai senti que ma maladie était de graisse depuis la face. Non, c'est pas là-bas, là, ou pas là. Allô? Oui, vous disiez. Je ne suis rien vraiment. On vous dit d'acheter le vrai téléphone. Oui. Allô? Oui, depuis que j'ai pris de l'eau, ma maladie. D'accord, c'est vrai que je n'ai pas suivi, mais. Père, je prie pour mon fils depuis le Togo que ta grâce soit dans sa vie, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit restauré dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui. Ça, c'est notre téléphone, ça, vraiment. Allô? Oui, il faut vérifier. Ça, c'est ton téléphone, non? C'est ton téléphone? Allô? Allô? Oui.
Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, mon prophète. Oui, bonjour à vous, monsieur. Allez-y, c'est un témoignage ou un sujet de prière, s'il vous plaît? C'est un sujet de prière. D'accord, quel est le sujet de prière? Le sujet de prière, je veux que vous priez pour ma famille et mon grand frère en prison actuellement. Votre grand frère en prison, c'est ça? Oui, il est en prison à Monatélé. Oui, il a fait quoi? Bon, on l'a... Le sujet... Allô? Tu dois trouver nos vrais téléphones. Hein? Oh, c'est pas vrai. Ok. Terrible. Allô? Donc voilà, chers téléspectateurs, vraiment désolé, je ne suis pas, je ne peux pas continuer à faire un direct avec des téléphones qui, dont le haut-parleur est aussi médiocre que ça. Là, c'est quoi? Père, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Laissez-moi le temps de m'arranger, moi-même, pour trouver des moyens plus adéquats. Je vous promets, par Jésus-Christ notre Seigneur, que demain, vous aurez au moins deux numéros qui seront fonctionnels et qui nous permettront de communiquer sans aucun problème. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont soif de parler avec moi en direct. On va le faire. On va prophétiser sur vous. On aurait dû commencer aujourd'hui, mais avec le temps, mon temps qui court, c'est un peu compliqué. Mais après l'émission, je vais me rassurer que vous ayez des numéros demain. Vous comprenez? Demain, nous allons discuter ensemble. Mais pour le moment, la gloire de Dieu est sur votre vie. N'oubliez pas que la mauvaise odeur est quittée de votre vie. Ne croyez plus en cela. Ne croyez plus aux malédictions, aux limitations. C'est fini. Regardez, laissez Dieu faire quelque chose dans votre vie. Laissez Dieu faire quelque chose pour vous. Laissez Dieu intervenir pour vous. La Bible dit, Yahweh lahim taharisun, dans le texte hébraïque. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Toutefois, laissez-nous vos témoignages. Demain, nous allons mieux nous organiser. On va lire vos témoignages. On vous aura en direct dans le monde entier. Je vais vous donner un numéro direct, un numéro WhatsApp par lequel on pourra communiquer. Je me battrai pour qu'il y ait au moins deux numéros, je vous promets. Donc, sois content parce que demain, nous allons discuter. Nous aurons 30 minutes, 30 minutes de prière, 30 minutes de discussion ensemble, 30 minutes de dialogue entre nous dans le nom de Jésus. Nous allons tout faire pour que ce moment puisse être un moment agréable pour vous. Nous avons un témoignage. Hier, j'avais très mal partout, mais même pris par rien. Mais je prie les parents rien. Mais après la visitation des anges dans ma maison et l'onction qui m'a saisi immédiatement, je me suis senti bien. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Les gens qui ont été guéris. Donc, on va prendre tous vos témoignages et je vais lire. On va lire les témoignages demain. J'aurai des gens qui vont m'aider. On va bien structurer notre espace pour que ce soit tout le monde. Personne ne se sente lésé. Que Dieu te bénisse. Parle de cet espace à quelqu'un. Si tu le fais, Dieu te bénira. Il te dit la vérité. Et abonne-toi. S'il te plaît, ne sois pas un visiteur, abonne-toi à notre page. Donc avant de partir, abonne-toi et aime notre page. Pendant que tu le fais, tu nous encourages à travailler et puis que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Let me bless you now. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Que ta main et ta force soient manifestées au nom de Jésus dans la vie de tous nos enfants. Je veux dire à l'église du Togo, nous vous aimons. Nous vous aimons. Quand le COVID sera fini, je viendrai au Togo. L'église du Bénin, je vous remercie de la manière dont vous avez pris soin de mon fils et de mes enfants, le reverend Augustine et son épouse, et que Dieu vous bénisse. Maintenant, le reverend Romain est avec vous. Prenez soin de lui, comme vous avez fait avec votre pasteur précédent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de travailler pour susciter des pasteurs au Togo et au Bénin, en Afrique de l'Ouest, qui prendront soin des églises là-bas, des autochtones qui seront formés pour prendre soin de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es vivant. Ça, c'est quoi? C'est que... Ok, bon, je vais finir avec le numéro 6. Prends le numéro 6 avant de partir. Hein, ça, c'est le numéro Orange Money. Pour ceux qui veulent désormais envoyer Orange Money, c'est à mon nom. Vous envoyez par ce numéro, à mon nom. Et ça, c'est aussi un numéro WhatsApp, à mon nom. Et il faut savoir qu'il y a une discipline, il y a toute une équipe qui gère ce numéro. Donc, ne pense pas, ne te dis pas que non. Ça, c'est le moyen d'avoir le prophète en direct. Non, c'est un numéro qui sera, WhatsApp sera activé dessus avant la fin de cette journée. Et s'il y a des sujets de prière, on les recevra. Et par ce numéro, on prendra les appels demain. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, prenez +237 692 40 71 86. 692 40 71 86.
86. Ça, c'est mon numéro Orange Money personnel. Si tu veux faire un transfert d'argent pour l'église, pour le ministère, fais-le à ce numéro. Le nom, ce sera le prophète Ferdinand Ekané. Vous comprenez? Plus 237 692 40 71 86. Ça, c'est mon numéro Orange Money personnel. C'est vrai que je ne connais pas encore comment ça se passe. Ma Mireille, maman, mon coco sont encore en train de me former. Ils sont encore à l'école pour le moment. Demain, vous faites, elles vont m'aider à mieux comprendre le mécanisme. Donc, on aura d'ici demain un numéro MTN personnel aussi que je vais vous donner par lequel vous pouvez faire les transferts Momo pour ceux qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont à l'étranger, vous voulez envoyer votre argent, envoyez par ce numéro. Il n'y a pas de problème. Vous envoyez à mon nom personnellement. Ça, c'est pour contrer un peu ce que les arnaqueurs sont en train de faire. Maintenant, vous allez envoyer vos contributions pour le ministère à mon nom, au nom du révérend prophète Ferdinand Ekané. Donc, c'est un peu ça. Et sur WhatsApp, quand vous écrivez, vous voulez vous rassurer, on trouvera des moyens pour vous rassurer. Vous comprenez? Vous aurez des moyens. Et soyez intelligents. Parce que les arnaqueurs ont des moyens. Ils prennent mes photos ou bien mes voices ou bien les vidéos pour vous faire croire que c'est le direct. Non. Le direct, c'est que si tu me dis, papa, comment vous allez? Je te réponds que ça va bien. Papa, il est quelle heure? Je te dis l'heure. Hein? Ça dit que tu causes avec moi. Tu sais que tu causes avec le prophète. Donc, c'est un peu cela. Donc, on va voir tous ceux qui veulent faire le transfert d'argent pour notre ministère. Faites-le par ce numéro que je vous ai donné, le numéro orange que je vous ai donné. Il servira aussi le numéro WhatsApp par lequel on peut recevoir des appels pendant les émissions. Et sachez que je suis un homme très discipliné. Donc, ça dit que ne pensez pas que, OK, après ça, ça sera pour me déranger et tout. C'est pas possible. On ne vous répondra pas, l'équipe ne vous répondra pas. Donc, c'est pour quelque chose de précis et nous resterons là. Pour tous nos partenaires qui se sont inscrits pour la conférence en ligne, vous recevrez mon appel ce samedi. Hein? Vous aurez mon appel ce samedi à partir de 9h par la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour votre soutien et vous pouvez joindre nos partenaires dans le monde entier en appelant à ce numéro, plus 200, en vous inscrivant, hein, n'appelez même pas, et envoyez SMS ou bien message WhatsApp, tout simplement. Envoyez un SMS ou un message WhatsApp et nous vous répondrons par message. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Que ton nom soit loué, qu'il soit exalté au plus haut des cieux. À jamais nous te servirons parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce message, envoyez-moi vos sujets de prière déjà. 237 692 40 71 86 d'ici 30 minutes, le numéro WhatsApp. Au moins de 30 minutes, le WhatsApp sera déjà disponible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, rendez-vous 10h. Passe l'annonce autour de toi. Réunis ta famille, tes amis. Dis-leur d'être connectés parce que ce sera un grand service avec des prophéties en ligne demain. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Je vous transmets les salutations de Maman Ikane et elle vous aime extraordinairement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.